une fille voilà, de Saddlemaker, née le 14 avril, je vais y arriver. Saddlemaker et New Haven par Subotica, et c'est donc ici la sœur de Virtuose du Gouet. Bonjour. La sœur de Virtuose du Gouet, elle est grande, dis donc. Et qui est Virtuose du Gouet, qui avait gagné un concours, d'ailleurs, si je ne m'abuse, lorsqu'il était foal, et après est devenu un très bon cheval de course, vainqueur du prix Jean Noiret à Auteuil. Allez, on peut marcher. On va essayer de pas les. Faut pas les laisser trop ici. On marche assez rapidement. Et après, on va trotter. Tandis que sur le ring numéro 2, nous avons le ring numéro 1, pardon, nous avons un mâle, le 79. Le 79 est un mâle né le 5 mars, un fils de Cocorico et Clémentine, qui nous est présenté par le haras du Val-de-Merne, le Val-de-Merle, c'est-à-dire Didier et Laure Gitlen. Allez, on peut marcher, on peut se déplacer, on va bien écarter la mer, s'il vous plaît. Donc première, non, deuxième génération de Cocorico, avec Clémentine qui n'a pas couru et qui est de la famille de Quito Bleu, Omega, Quito Pass, dont on a déjà parlé tout à l'heure d'ailleurs. Le 79, c'est le mâle qui est sur le ring numéro 1, tandis que sur le ring numéro 2, c'est les femelles, les barrières brûlent, les femelles, donc en l'occurrence le numéro 61. Voilà, donc le 79 sous en train d'être jugé par Harold Kirk, je vous rappelle, Harold Kirk qui est là, et Franck Champion, tandis que c'est Jean Birabin et Anne-Marie Poirier qui attendent les femelles du ring numéro 2, troisième section de femelles. Tandis que je vous précise que tous les rappels des foals seront faits à la fin.